jésuite, je tiens la compagnie de Jésus, et je viens de Belgique, mais je travaille à Rome, à la Curie Générale. Voilà, donc je venais surtout parce que j'étais intéressé sur la réflexion, sur la notion de consécration, et peut-être que la chose qui m'a le plus frappé hier dans les interventions, c'est de dire qu'on ne définit pas seulement la consécration par rapport aux trois conseils évangéliques, par rapport aux trois vœux, mais qu'il y a aussi la dimension de vie commune et de mission qui aide à comprendre le concept de consécration en tant que tel. C'est peut-être ça. Mais j'ai été très touché aussi par l'intervention de hier de la bibliste. Vraiment, vraiment intéressant. Ah ben vraiment, j'ai beaucoup aimé. D'abord, la dimension concrète. C'était vraiment un peu comme une conversation spirituelle. Hein. Et donc, l'insistance sur les trois P. Hein, les trois P, notamment le troisième, la patience. La prière, bon, la pauvreté, on pouvait l'imaginer. La patience était plus originale. Mais aussi, disons, une certaine insistance sur des questions qui sont réelles par rapport à la vie consacrée d'aujourd'hui. L'exemple qu'il nous a donné sur cette province qui s'apprêtait à bien mourir tout en renonçant à la mission, c'était vraiment interpellant. Donc moi, personnellement, j'ai vraiment été très touché. J'ai vraiment eu l'impression d'une conversation spirituelle. Donc j'ai très heureux d'avoir été là ce matin pour entendre ça.